الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tout d'abord, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour faveur que Allah peut faire pour nous. Allah subhanahu wa ta'ala peut continuer à garder nous vivants, surtout dans sa 10 derniers jours dans le mois de Ramadan là. Nous demandons avec Allah que Allah subhanahu wa ta'ala facilite nous pour nous capables, nous gagner sa la nuit, sa grande la nuit, laylatul qadr là. Et ensuite, nous cessons protection avec Allah subhanahu wa ta'ala contre l'IA, que Allah mette sincérité dans tout bon bonne action que nous fait l'Église pour faire les tout seuls plaisirs. Action que nous te mentionnais hier, nous te mentionnes un doigt. Un doigt qui est prononcé par un de Allah sur mon prophète. Prophète Younous alayhi salam. Il se prononce ce doigt là quand il est devant poisson. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin. La ilaha illa anta. Il n'y a aucun bon Dieu excepté toi. Subhanaka, tu prophète du sans défaut. Inni kuntu min al-zalimin. Mo parmi ban qui fin fiat jito lui-même. Ça doit là, quand je te disais hier, Younous alayhi salam, il se prononce ça doit là, quand il est en vente, poisson. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait accepter ce doigt. Concernant valier ça doit là, il y a un hadith que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut faire nous connaître. Qui, n'importe qui s'en là, qui lui prononce ça doit là, le doigt que Younous alayhi salam fait prononcer, Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître, qui Allah subhanahu wa ta'ala a accepté ça, là, ce doigt. Allah subhanahu wa ta'ala a accepté ce doigt. Action qui est là avec nous pour aujourd'hui, c'est concernant valer un de mes sourates qui est là du Coran. Et sa sourate là, il est recommandé pour nous lire dans jour vendredi. Comme on nous connaît, c'est Suratul Kahf, Surah Kahf, Surah numéro 18 du Coran. Et là, mon hadith de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui cause concernant vertu sa sourate là, qui cause concernant valer sa sourate là. Pour un dimon qui il y a sa sourate là toutes les semaines, un sourate qui si nous connaissons le Coran, peut-être il peut prendre nous 15-20 minutes. 15-20 minutes toutes les semaines, tous les vendredis nous lire sa sourate là, get sa récompense. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître un hadith qui est rapporté par Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Il dit que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin dit, donc c'est lui qui lit surah Kahf la nuit du Jum'a, c'est-à-dire à partir de Maghrib Zaydi, alors c'est pour une lumière qui peut étendre entre lui et Kaaba. Hadith qui est rapporté par Darimi et un hadith qui est classifié comme sahih par Sheikh Albani rahimahullah. Ensuite, il y a un autre hadith encore toujours québécois concernant valer sur Kahf. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui lit sur Kahf jour vendredi, alors c'est pour gagner une lumière qui peut briller de lui, prend depuis sa vendredi là pour aller l'autre vendredi, pour aller, veut dire prochaine vendredi. Hadith qui est rapporté par Al-Hakim, Al-Bayhaqi et Ibn Hajar fin dit dans Takhrij Al-Adhkar, c'est un hadith qui est hassan. Et ce hadith là, c'est ça même hadith qui est plus authentique. Hadith qui est plus authentique, qui fait une rapporté concernant lecture sur Kahf. Si nous guettons dans sa dit hadith là, elle a fait une fermentation de lire sur Kahf la nuit vendredi. Deuxième hadith là, une fermentation de lecture sur Kahf jour vendredi. Ça veut dire qu'il permet pour un dimon les lire sur Kahf la nuit vendredi et aussi veut dire prend à partir Maghrib Zaydi pour venir jusqu'à Maghrib vendredi. Ça dit, il y en a tous à l'état là pour les lire sur Kahf. Donc, il y en a amplement les temps. Si un dimon lui dit qu'il ne va pas gagner les temps pour lire sur Kahf, il peut embêter lui-même. Il y en a amplement les temps. Nous choisirons un moment qui est plus approprié pour nous. Un moment qui nous libre de sa bande de temps qui nous fait mentionner là. Nous lire sa surah là sur Kahf et nous gagner sa grande récompense là. Donc, il n'y a aucun doute. C'est un surah qui est une grande valeur. Et aussi, si nous guettons ça, ben hadith là, alors je peux faire mention concernant Surah Kahf, sur lecture, c'est lui qui lit Surah Kahf. Mais si un dimon, est-ce qu'un dimon, par exemple, quand on connaît dans cet dimon, les mettre lecture Surah Kahf, jour vendredi, est-ce qu'il y a une récompense là? Non.
Li pare récompense ça qui fait parce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait préciser dans sa haditha celui qui lit à moins qu'il s'a dit mon là li pas qu'on lit le Coran à moins qu'il lit pas qu'on lit le Coran donc inshallah à travers les films de sa lecture là il a l'espoir Allah subhanahu wa ta'ala donne les récompenses pour comme si les films lire sa sourate là à travers les films mettre sa lecture là étant donné qu'il ne lit pas qu'on lit pas qu'on lit le Coran mais un monde qui connaît le Coran il ne faudrait pas qu'il y pense qu'il juste les mettre lecture sur la kahaf, les gagne sa récompense là. Et aussi, les bons qui nous font mention, comment Imam Shafi'i lui dit qu'il recommande pour lire sa surah là, donc soit dans la journée, veut dire jour vendredi, ou soit, veut dire soit jour vendredi, ou soit sur la nuit vendredi. Et aussi, il y a certaines ban hadith qui font mention de lecture sur Ali Imran. Jour vendredi. Connais qui tout ça, ban hadith, là, c'est ban hadith qui est doaïf, jidden, ban hadith qui est bien faible, ou soit ban hadith qui est maudour, ban hadith qui fin être fabriqué. Donc, peine à aucun hadith authentique qui fait mention de lecture sur Ali Imran jour vendredi. Par exemple, un hadith qui dit que c'est lui qui lit surah de la famille de Imran vendredi, jour vendredi, Allah et son ange pour avoir une bénédiction le lit jusqu'à soleil couché. Donc c'est un hadith qui doit arriver jiddan, un hadith qui est bien faible ou c'est un hadith qui est maudour. Donc lecture qui nous vient faire, surah qui nous vient lire la veille vendredi ou soit jour vendredi qui est un hadith authentique lola, c'est surah kahf. Donc premièrement, quand un dimoun peut lire surah kahf, premièrement, les gains sa récompense là avec Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième, quand un dimoun peut lire surah kahf, il y a lié régulièrement. Tous les vendredis, il y a lié. Il n'y a aucun doute là-dedans. Pour arriver à un certain moment, quand il est fini, quand il s'ouvre à la porte. Il dépend d'un dimoun de son mémoire. Il y a un dimoun peut-être 4-5 coups, il y a lié. Si tant il est habitué, il y a lié. Bien vite, il finit à prendre lié. Il y a un dimoun peut-être après un an. Si tant il y a lié. Mais, être sûr et certain, un dimoun qui, il lié sa sourate là tous les vendredis, pour arriver à un moment, quand il est fini, quand il s'ouvre à la porte. Et quand nous finissons sa sourate à la parquet, ben n'a aucun doute, ça les provient de nous l'avantage. De quelle façon? Parce qu'il y a un hadith que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, toujours pour montrer nous concernant valer sur la kahaf, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître que sa sourate à la, c'est une protection contre Dajjal. Dajjal, un parmi les grands signes, Qiyama, que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait prédire, fait avertir ce ummet. Pareil comme un messager qui fait venir avant, fait avertir ce ummet. Comme ça même Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin avait nous concernant Dajjal quand il va venir qui man fitna qui pour qu'il va amener et comment il a certaines bandimoun qui facilement zut pour être tenté par Dajjal comment il va dévier beaucoup bandimoun et donc nous man musulmans Rasoul sallallahu alayhi wa sallam pas aucun doute les fin enseigne sur ummat comment vous protéger nous-mêmes contre Dajjal? Parce que si tant, ce temps attachons vous bien faux, si tant, qu'il y a beaucoup de monde qui vous laisse, vous êtes même tenté. Moi, par exemple, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître, qui Dajjal vous dit avec un bédouin. Il vous dit avec lui, si mon frère, ton maman et ton papa revivent, est-ce que tu vous crois qu'il m'a même bon Dieu? Ça, bédouin là, vous dit oui. Alors, son maman et son papa, chayton, pour qu'on forme son maman, son papa, et ensuite, donc, Dajjal, lui, pour faire ça, dit-moi là, croit qu'il c'est son maman, son papa, et dit-moi là, pour amener l'iman dans lui. Ça, c'est un parmi, ban fitna. Prenez ban les autres fitna encore, que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître, que Dajjal, lui, pour venir avec sa ban fitna là. Et nous, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui compte à son ummet, c'est lui qui est traqué pour son ummet, peine à aucun bon quitte chose, excepté qu'il est fin enseigne nous. Peine à aucun quitte chose qui peut faire nous dit excepté que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, les fin avertit nous. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, les fin montrer sur ummet, comment nous pouvons capables, gagner protection contre Dajjal. Par exemple, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, donc, Dajjal, quand il peut venir, il peut proclamer lui-même, comment bon Dieu, lui-même, comment Allah. Mais Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin fait nous connaître que Dajjal li pou manger li pou boire Dajjal li pou être humain donc Dajjal li pas pou capable bon Dieu li pas pou capable Allah donc si un dimoun
les fin apprendre concernant Allah subhanahu wa ta'ala souban zoli nom Allah souban zoli attribut souban nom souban attribut là qui les spécifiques juste pour Allah subhanahu wa ta'ala peine aucune créature qui possède souban attribut là si nous ne connaissons Allah comment bien alors ça il suffit pour nous capables faire différence entre un vrai bon Dieu avec un celui qui peut déclarer lui-même comme un bon Dieu. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, pour nous cesse protection contre Dajjal, pour nous capables de protection contre lui, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, il fait enseigner nous pour cesse refuge avec Allah contre fitna de Dajjal dans Namaz. Dans Namaz. Dans la dernière partie de Namaz. Comme ça, même quand nous finissons dire, Surah Kahaf, c'est une protection contre Dajjal. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il recommande nous pour lire la première ayat de Surah Kahaf contre Dajjal. Et il y a certaines bonnes réwayettes, il y a certaines bonnes hadiths qui font mention de le dernier verset de sa surah-là. Donc, tous les deux, il y a des hadiths. Il y a certaines hadiths qui font mention qui le premier ayat de la surah Kahaf, c'est une protection contre le Dajjal. Et il y a certaines bonnes ayats qui font mention qui le dernier ayat de la surah Kahaf, plus précisément 10 premiers ayats de la surah Kahaf. Et il y a certaines bonnes réwayettes qui disent 10 derniers ayats de la surah Kahaf. Alors, c'est une protection contre Dajjal. Parmi les hadiths qu'il y a, c'est un hadith, un long hadith qui est rapporté par un musulman depuis An-Nawas ibn Sa'man. Quand il dit, c'est lui qui, parmi les autres, qui les trouve Dajjal, alors qu'il lit le premier ayat de Surah Kahf. Et aussi un autre hadith qui est rapporté par Abu Darda, radiallahu anhu, que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui mémorise 10 ayats. Depuis le commencement sur la Kahaf, les bougais protection contre Dajjal. Les bougais protection contre la fitna qui Dajjal pour amener. Et Imam An-Nawawi, rahimahullah, lui dit, raison qui fait mention de la première ayat de sa surah là, c'est sa bonne première ayat là, les mentions Allah subhanahu wa ta'ala souban signe. Sa 10 premières ayat là de sur la Kahaf, les mentions Allah subhanahu wa ta'ala souban signe. C'est lui qui les réfléchit dans sa bonne ayat là. Sa 10 première ayat là, si nous pas les lire avec méditation, avec réflexion, les bons côtés, nous encore il y a les temps. Donc nous capables, nous prenons le Coran, réfléchir, méditer. Dans sa 10 première ayat là, nous vous trouvez. Nous vous trouvez Allah souban signe. Allah subhanahu wa ta'ala son grand dire. Et donc c'est lui qui fait réfléchir, qui médite. Allah subhanahu wa ta'ala souban signe, Allah souban dire. Les pas pour les mêmes tenter par fitna de Dajjal. Et ensuite, dans la fin de cette ayat là, parce qu'il va nous dire, il y a une riwayat qui dit 10 derniers ayats de sa surah là, alors Allah subhanahu wa ta'ala les fait connaître dans ayat numéro 110 plus précisément. Est-ce qu'il y a des gens qui ne croient pas, ils ont pensé qu'ils sont capables de prendre un esclave comme un aulia, comme un protecteur, comme un ilah, comme un bon Dieu, apporte-moi. Ça, c'est une parole de l'imam An-Nawawi qui trouve dans le Sharh Sahih Muslim, volume 6, page 93. Donc, ça, sur Allah, comme nous finissons, c'est une protection contre Dajjal. Donc, il y a plusieurs vertus, il y a plusieurs bienfaits qui indiquent les gagner. Quand les liens sa surah là, surah Kahaf, jour vendredi, premièrement, les gains récompenses que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait mentionner, veut dire sa surah là, pour venir une lumière qui peut briller entre sa vendredi là et l'autre vendredi pour lui. Et ensuite, deuxième, quand nous pouvons lire sa surah là tous les vendredis, donc, peine aucun doute, ça pour être nous, pour nous mémoriser sa surah là, et sa surah là, pour venir une protection pour nous contre Dajjal. Nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala, si nous pratiquons l'habitude, si nous pas habitons lire sa surah là, que Allah subhanahu wa ta'ala fait nous comprendre concernant valer sa surah là, qui vraiment c'est une surah qui est bien importante pour nous lire dans vendredi, afin qu'il nous capable de récompense et nous capable de protéger nous-mêmes si Dajjal peut sortir dans l'époque, alors nous capable de protéger nous-mêmes contre ce man fitna, parce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître, c'est lui qui les fait trouver Dajjal, il y a ça, 10 premiers ayats, ou soit 10 derniers ayats de Surah Kahf là, les pour être protégés contre ce man fitna. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.